On fait une parenthèse, mes frères et sœurs, sur le dépouillement. Comment on doit se dépouiller? Comme le règne animal. Après, mes frères et sœurs, un frère a partagé, il y a quelques semaines, un des bergers de notre église de maison, ici, a enseigné, et il a parlé d'une vidéo où un documentaire, d'une vidéo où un crabe la mue d'un crabe, un crabe se débarrasse de la vieille carapace pour revêtir une nouvelle carapace. Ça m'a fait réfléchir, cette image-là m'a fait réfléchir au point où j'ai fait des recherches. On ne nous a pas dit où il a vu sa vidéo, où il ne nous a pas envoyé le lien. J'ai fait des recherches. Ce que j'ai trouvé m'a surpris. Comment même le règne animal, même la créature nous enseigne la parole de Dieu. La créature elle-même nous enseigne la parole de Dieu. Nous devons nous dépouiller. Et on va voir l'exemple des animaux qui se dépouillent de leur vieille nature pour revêtir un nouveau corps. Mes frères et sœurs, il y a dans cette vidéo, on a cherché, il y a une vidéo qu'on a trouvée, la vidéo d'un crabe. Et mes frères, on va commencer par là. Ce crabe qui, par un, mes frères, une transformation, se débarrasse de sa carapace pour revêtir une nouvelle carapace. C'est une leçon. La nature elle-même nous enseigne. Voilà ce qui se passe. Comment un crabe, comme vous voyez sur votre écran, c'est terrible. Un crabe, comme vous allez voir, se débarrasse. C'est la première fois que je savais pas que le crabe se débarrassait de sa vieille nature pour revêtir une nouvelle peau, une nouvelle carapace. Voilà le monde animal, le réanimal qui nous montre la parole de Dieu. Se dépouiller de la vieille nature. Regardez bien ce qui se passe comme je suis en train de vous partager ces choses. Le crabe dépouille de sa vraie carapace qui est morte. Et la carapace là, le vieil homme qui est mort. Maintenant, l'homme nouveau, regarde le crabe, un nouveau crabe, neuf, tout jeune, qui sort de la carapace et est immobile. Voilà mes frères et sœurs, ce qui se passe. Voilà sur votre écran, mes frères. Comment la nature nous enseigne la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils se baladent avec une Bible dimanche dans leur soi-disant église, qui ne sont que les concentrations de concentration. Même façon de penser, même façon d'agir, même façon de s'habiller, même plaisir. Mes frères et sœurs, et comme disait un prédicateur du côté des États-Unis, je ne sais pas si c'est Paul Washer, il disait aussi, beaucoup de chrétiens sont à Christ, mais il ne change pas. Et qu'est-ce qu'il prenait comme exemple? Imaginez-vous que vous vous présentez devant votre ami. Vous lui dites un camion ou un train est passé sur moi. Il va secouer la tête. Il va vous regarder. Il va dire, mais vous êtes devenu fou. Parce qu'un camion passe sur vous. Vous êtes déchiqueté. Mais vous venez dire à quelqu'un que non, à votre famille ou à votre époux, un camion vient de m'écraser. Un train vient de me percuter. Quand on rencontre Jésus-Christ, ça fait l'effet un milliard de milliards de trains qui vous percutent. Quand Jésus qui vous rencontre, vous êtes transformé exactement comme ça. Ce n'est pas la vieille nature, ce n'est pas l'ancien homme qui continue. Vous êtes une nouvelle créature, renouvelée, changée. J'ai toujours dit ceci, mon frère. Si tu deviens chrétien, ton conjoint qui n'était pas chrétien, ton mari ou ta femme n'est pas choqué, tes collègues de travail n'est pas choqué, ton entourage n'est pas choqué, il y a un problème. Il y a un problème. Au lieu de réfléchir, au lieu de parler, tu étais peut-être un homme violent comme l'apôtre Paul, tu étais un homme ivrogne, saoulant, tu étais une femme peut-être bordel comme on dit en Afrique ou prostituée, tu étais un homosexuel. Tu t'habillais comme une femme, tu t'habillais comme un homme si tu es une femme. Tu faisais les mauvaises choses. Tu passais la nuit dans les bois de nuit. Quand Christ vient en toi, c'est nouveau. Et nous allons partager très rapidement, pendant que nous voyons comment le réanimal nous montre la transformation. Mes frères et sœurs,
soyons clairs et clairs. Ce que c'est votre écran, c'est Romains chapitre 12, verset 3. Quoi? Ne vous conformez pas sur le présent, mais soyez transformés. Et voilà le processus de transformation qu'on va voir. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon, agréable et parfait. Voilà mes frères et sœurs. Nous devons arriver au point où, regarde la métamorphose. Cet insecte qui se débarrasse de l'ancienne nature et qui revêt l'homme nouveau. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés. Du mot grec, métamorphéo, la métamorphose. L'homme nouveau, un nouveau insecte, tout neuf. La vieille carapace est laissée. Mais nous, chrétiens, nous voulons continuer à trimballer notre vieille carapace. Nous, nous ne sommes pas morts. Le vieil homme n'est pas mort. Romains chapitre 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 6, verset 4. Notez ce verset. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été envelés, enterrés avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie. Regardez, nouvelle. C'est-elle restée? C'est une nouvelle, c'est qu'on avait une nouvelle aile. Plus jeune, plus fraîchi, plus agile. Voilà ce qui arrive quand on se convertit en Christ Jésus. La conversion en Christ Jésus est un milliard de milliards de milliards plus grande que le fait d'un train qui est passé sur vous, d'un camion qui est passé sur vous. Les gens sont stupéfaits. Mais c'est la même nature, le même voleur, la même prostituée, le même menteur, le même fraudeur, le même ivrogne, le même adultérateur, le même incestueux, le même fornicateur. Et vous dites que vous êtes transformé. Romains chapitre 6, verset 4, il dit quoi? Nous avons été enseignés. Ça veut dire que vous êtes mort en servi, ça veut dire enterré, enseigné avec Christ par le baptême à quoi? En sa mort. Afin que, comme il est ressuscité des morts par la gloire du Père, de nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie. Vous êtes une nouvelle créature avec un nouveau corps, avec une nouvelle façon de penser. Et quand nous parlons de ces choses, en fait, comprenez que c'est spirituel. Vous ne volez plus, vous ne mentez plus. Vous ne convoitez plus les biens. Vous ne recherchez plus les choses que vous recherchez. La prospérité, la gloire, etc. Que vous soyez riche, que vous ne soyez pas, ce n'est pas votre problème. Vous vous concentrez à regarder les choses du ciel. Regardez des gens qui sont chrétiens, mais qui continuent à rechercher les choses de la terre. L'évangile du roi, non. L'évangile qui t'amène à rechercher les choses de la terre. Les choses de la terre. Romains chapitre 6, verset 4. Je relis. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes en Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité les morts, par la gloire du Père, Dieu son Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mes frères et sœurs, regardez la transformation. Donc parle Romains chapitre 12, vous partez du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et Romains chapitre 6, on le réanimal, nous enseigne la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 6, notre vieil homme, nous ne faisons plus les choses passées. Nous crucifions la chair et ses mauvais désirs et ses plaisirs. Nous ne vivons plus pour penser aux choses de terre. Nous vivons pour penser aux choses du ciel. Ces pasteurs qui vous disent, passez le jour, les journées à passer grand, pensez à vos grands ciels, à vos avions. Moi, je vous dis, et la nouvelle créature, vous êtes dépouillé du vieil homme. Regardez, Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Regardez le vieil homme, regardez ce crucifié. Il se débarrasse du vieil homme. Vieil homme, notre vieil homme a été crucifié. Crucifié, crucifié. Le vieil homme, vous enterrez, enseveli. Et cette carapace sera ensevelie dans les sables au fond de la mer pendant que ce crabe va s'en aller. Voilà la parole de Dieu. Enseveli.
On ne verra plus. Cette carapace sera imperçable. Pendant. Le crabe continue sa route. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme, le vieil homme, a été crucifié. Le vieil homme. Regarde cet esprit qui se débarrasse de sa vieille nature. L'homme nouveau sort. Le vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Mon frère, ma soeur, cet esclave de la perturbation avec les de tes soi-disant amis sur Facebook. C'est de se masturber. Tu n'es plus esclave du péché en te masturbant, en allant faire la pornographie, en suivant la pornographie. Cesse l'esclave du péché. Suis l'exemple de cet insecte. L'écriture, et ça me rappelle l'émission sur Jonas. Dans le livre de Jonas, de toutes les créatures qui interviennent dans cette histoire merveilleuse, est la seule créature qui a désobéi. Pourquoi je ne suis pas né comme cet insecte-là? Pourquoi je ne suis plus plutôt pas né d'être un ver de terre? Dieu dit à un ver de terre, à un ver de piquer l'arbre, dans le livre de Jonas, qui a dit Jonas du sommeil, le ver obéit. Il dit au ver de ronger et qui se met en se prenant pour Dieu, en se faisant idolâtrer pour l'homme. Le ver obéit. Dieu Jésus-Christ, l'ordre à la paix de se calmer, la mer obéit. Il donne à la paix de se calmer, la tempête se calme. Dieu dit, donne les ordres à l'oiseau d'apporter du pain et de la viande. À Élie, l'oiseau obéit. Le soleil s'arrête, le soleil s'arrête. Dieu dit au poisson d'avaler Jonas, le poisson obéit. Dieu dit au poisson de vomir Jonas, le poisson obéit. Mais Dieu dit, cessez le sexe avant le mariage. Il dit non, vous êtes vieux, on évolue. Même Dieu évolue avec notre temps. C'est Dieu qui doit s'adapter à notre temps. On dit que la femme ne doit pas prier sans se voir la tête. Que l'évangile de Jésus est gratuit dans l'avant pas. On commence à réfléchir. Mais, sœur, voilà la vérité. Vous dites, jeune homme, pas de mariage, ne passe pas le temps dans la joie dans les boîtes de nuit. Tu commences à raisonner. Ce qu'il faut faire. Êtes trop vieux jeu. Vous êtes trop sérieux. J'aime des gens appeler Jésus Christ TV. Jésus Christ TV. Attendez voir la joie là. Que celui qui a les oreilles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en il est une nouvelle créature. Oh mes frères. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'insecte est une nouvelle créature, que vous en voir. Une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous devenez chrétien, votre entourage n'est pas scandalisé, vous n'êtes pas chrétien. Continuez à remplir vos salles de joie, que vous appelez l'église, où les gens dansent des carnavals. On dira, croire à Venise ou à Rio de Janeiro. Mais c'est une église incroyable. On se croirait à l'inauguration du tunnel Saint-Gothard. Allez encore suivre les effets qu'on a montré sur ICC Impact Conférence Impact Diabolique en passant 2016. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens chapitre 2, 11. Et c'est en lui, c'est-à-dire qu'en Christ Jésus, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà un exemple de dépouillement sur votre écran. Là, le réalisme nous enseigne le dépouillement, la sanctification, la transformation. Comment être une nouvelle créature? Donc, dépouillement du corps de la chair. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. C'est le titre de cette émission. Revêtons l'homme nouveau. Débarrassons-nous du vieil homme. Le vieil homme. La vieille carapace. La vieille nature pécheresse. Revêtons l'homme nouveau. Les choses passées sont passées. Les envies, les jalousies, les calomnies, les passions de la chair, les mauvais désirs. Tout ça est passé. Pour
devenu nouveau. Colossiens chapitre 2, verset 11. Notez tous ces versets. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui sera nouvel dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a créé? Dieu nous a créé. Regardez comment Dieu utilise la créature pour montrer un exemple de renouvellement. Colossiens 3, et ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau sort du vieil homme. Vous vous débarrassez de l'homme du vieil homme. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créé. Qui nous a créé? Dieu. Donc, revêtons-nous de l'homme nouveau. Chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Si que quelque chose, ce n'est une nouvelle créature. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Voilà l'évangile que les gens ne veulent pas entendre. Les gens sont allés en Christ, concernant leurs péchés, leurs fornications, leurs mensonges, leurs adultères, leurs sorcelleries, leurs avortements. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 15, ce n'est pas, car il n'est que d'être circoncis, ce qui est quelque chose, d'être une nouvelle créature, être une nouvelle créature. Terminons par Éphésiens 4, verset 20. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Nous avons lu verset 22. C'est à vous, c'est, mais vous, Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est du moins que vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en vous, qui est en Jésus-Christ, je reprends. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, vous débarrasser, eu égard, verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, comme vous voyez, c'est un secteur passé de la vieille nature, de la vieille nature, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes là au verset 24. Donc, voilà le verset 24, à revêtir. Donc, c'est un secteur qui parle du vieil homme, entre guillemets, de la carapace, de la vieille forme animale, se revêtir l'homme nouveau. Voilà, nous devons revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, quand un faux pasteur comme Manu Kalambiri se moque de la sanctification, dans une vidéo, il dit la sanctification, rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, soit qu'elle ne parle ses mots. Ils sont pauvres tout en recherchant la sanctification. Je préférerais être le dernier de la terre, la serpillière de la terre, le va-nu-pied de la terre. J'aimerais être le vampire de cette terre, être le plus pauvre de cette terre, mais à l'ancienne, par la sanctification. Beaucoup de pasteurs de plus en plus se moquent de la sanctification parce qu'ils ont mis l'accent sur l'argent. Argent à l'argent. Vous allez dans la conférence Impact, on vous accueille par les dépliants, des prospectus, de contributions dont le plus petit montant est 1000 euros. Le plus grand montant est 50 000 euros. Et les gens vont faire des vidéos là pour dire que c'est nous qui avons tort. Eux-mêmes savent les gens qui suivent. Les gens qui font des vidéos, vous-même vous savez ce que vous aimez dans cette vidéo là. Nous nous aimons l'évangile. L'évangile nous enseigne de nous dépouiller du vieil homme à revêtir comme le verset, nous sommes au verset, Éphésiens chapitre 4, verset 24. Revêtir de nouveau, créer selon Dieu. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 23, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc, le verset 25 commence à énumérer quelques exemples de comment se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme. Verset 25, Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Verset 25, pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il y a des gens qui disent il y a des petits mensonges. Mensonge vert, mensonge blanc, mensonge rouge.
mensonge, qu'il soit noir, vert, blanc, jaune, est un mensonge. Parlons et sont les uns les autres. Il y aura des menteurs et des fraudeurs. Ils vont se retrouver en enfer. Verset 25. Si vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah, mes frères, le soleil ne se couche pas. Ça veut dire que si vous êtes mis en colère, assurez-vous que avant de vous endormir, quand vous ancrez dans votre chambre pour dormir, assurez-vous que la colère, vous ne devez pas. Pourquoi ce verset? Ma compréhension, ce verset peut me tromper, corrigez-moi si je me trompe. Ma compréhension, c'est que dans le sommeil, la trompette peut retentir. Non. Quelle est la compréhension de ce verset? Repentons-nous, d'abord, jour après jour. Repentons-nous, recherchons la repentance, jour après jour. Jour après jour. Être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence en renonçant au mensonge. Verset 26. Vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre cou. En fait, ma compréhension de ce verset, c'est quoi? C'est arrivé que vous mettez en colère. Il parle de normal, c'est humain. Le péché arrive au point où? Le péché arrive quand vous vous couchez sur votre colère. Parce que vous avez dit, si vous mettez en colère, virgule, ne péchez point. Il pas dit, vous péchez quand vous mettez en colère. Lisons bien ce verset. Il n'est pas dit, vous péchez quand vous mettez en colère. Non. Ce verset dit, verset, j'utilise la version du second. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, point virgule, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ensuite, le soleil ne se couche pas sur votre colère, décrit ce que c'est péché quand vous mettez en colère. Pas que vous soyez en colère, mais immédiatement, revenez de votre colère, immédiatement. Ne pas au lit avec votre colère. C'est un risque. Le cœur peut s'arrêter pendant le sommeil. Vous pouvez mourir dans le sommeil et vous mourrez avec votre colère. Vous vous retrouvez dans le risque. La trompette peut sonner pendant que vous êtes en colère. Aussitôt qu'on se met en colère, aussitôt on doit sortir de sa colère. J'espère que par la vertu du Saint-Esprit, j'explique le verset. Verset 7, et ne donnez pas accès au diable, et ça continue. Se mettre en colère donne accès au diable. Vous voilà, vous êtes tourmenté par toutes sortes de mauvaises pensées. Les pensées de mort, les pensées de crime, les pensées de vengeance, les pensées. Vous avez toutes sortes de pensées parce que vous êtes mis en colère. Donc le verset nous montre comment la colère peut nous amener à ouvrir la porte. Accès signifie la porte. Ne donnez pas accès au diable, ça veut dire que n'ouvrez pas la porte au diable. Et un des moyens, par lequel nous ouvrons la porte au diable ou donnons l'accès au diable, c'est par la colère. Non, ça va être notre péché, mais ici, c'est la colère. Quand vous êtes en colère, vous avez ouvert votre porte et vous avez dit, le diable vient, tu peux entrer, il va entrer. La nuit, vous avez dormi votre colère, c'est la nuit où vous avez tous les cauchemars du monde. J'ai demandé ça par le passé, vous allez surmonter la colère dans le cœur. C'est là où vous avez tous les cauchemars, vous voilà, vous vous retrouvez bagarre avec les créatures monstrueuses dans le rêve. Vous voyez les choses noires toute la nuit, c'est la colère. La Bible dit, si tu pêches, si tu te mets en colère, tu n'as pas péché. Mais tu pêches quand tu laisses subsister la colère au point d'aller dormir, te coucher avec cette colère. Et verset 27, tu donnes accès au diable. Le verset 8, l'un des caractères d'un chrétien qui continue à garder le vieil en lui, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voler, dérober, c'est que et il y a plusieurs manières de dérober le vol. Même dans les entreprises dans lesquelles on travaillait, il y a toujours qui travaillent, les gens continuent à voler, voir ce qui ne leur appartient pas. Voler sur les heures de travail, voler le nombre d'heures que vous faites payer alors que vous avez travaillé 40 heures. Les 5 heures d'en gros, c'est le vol. Abuser des objets d'entreprise. Si vous ne pouvez pas faire une photocopie, personne devant votre supérieur de l'argent, ne le faites pas. Il n'est pas là. Si vous ne pouvez pas faire une copie de page à titre personnel devant votre collègue ou votre patron, surtout votre vous attendez qu'il ne soit pas là, c'est un vol. Mais si vous pouvez faire deux copies personnelles de votre patron,
C'est acceptable, l'entreprise qui tolère cela. Mais vous, voilà, vous avez un livre, soit disant votre pasteur, qui a écrit, il n'y a plus de stock. Voilà, vous voilà maintenant, à la pause de midi ou le soir, tout le monde, vous restez, photocopier 400 pages. Deux rangs de papier, l'encre, le courant de l'entreprise, vole. C'est le vol. Il y a une entreprise dans laquelle je travaille, il y a deux fois, j'allais demander à ma ou à mon supérieur, est-ce que vous trouvez d'inconvénients, d'urgence? Voilà, il y a un qui va envoyer rapidement à titre ou familial. Est-ce que vous avez un inconvénient? Non, allez-y. Ah, c'est bon. Mais il y a aussi avant, je te connais, je vous enseigne, j'ai abusé des compagnies, mes frères et sœurs. J'ai abusé. C'est quoi? C'est le vol. Je l'ai fait. Je ne suis pas là pour dire que pour vous. Détendez-vous. Georges l'a fait. Et je m'en suis repenti. C'est pas. Il y a plusieurs sortes de vol. Il y a la Bible qui dit voler son père. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit c'est pas un péché est le corps du destructeur. Il y a des gens qui disent c'est mon père. Comme je témoignais, j'aimais tellement bien m'habiller en costume, cravate, etc. Et quand mon père était un gars, comme on disait dans le monde, à son insu, je vole la clé, j'ouvre le placard, je reste pour aller jouer les beaux et les charbons dans les boîtes de nuit, draguer toutes les filles. Et voilà, ça termine par la prostitution. Je volais. Prendre l'argent, ouvrir le portefeuille de votre père, votre mère, prendre l'argent à son insu, le vol. Alors le vol, et caractéristique de la vie. Il y a tellement d'exemples, et d'ailleurs, il y a des enseignements et des enseignements sur Jésus-Christ TV, notre chaîne qui vous montre des exemples du vieil homme, l'ivrognerie. Vous droguiez avant d'être chrétien. La cigarette ou la marijuana, étant chrétien, vous continuez à fumer. Il n'y a pas eu de changement. Vous continuez à vous saouler la gueule, comme on dit dans le monde. C'est toujours le vieil homme qui est là. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Le verset 28 dit donc, et finalement, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Voilà mes frères, un exemple de comment revêtir l'homme nouveau, se débarrasser de la nouvelle. Il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens, mais les plaisanteries et les blagues. Or, la parole de Dieu interdit les plaisanteries et les blagues. On dit, oh, c'était pour blaguer. Vous n'avez pas à blaguer. Les plaisanteries, les obscénités sortent de la bouche. La Bible dit que nous devons avoir un langage qui sort, enfin une bouche qui sort les paroles salées. Et le verset 30 parle d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé par le jour de la rédemption. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute malheur et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 22, soyez bons les uns et les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, mes frères, voilà quelques détails. On repart sans transition sur notre page pour terminer cet enseignement. Voilà, donc je pense que c'était le cœur, la charte, la moelle de cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons continuer, mes frères, avec cette écriture. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.